Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 26 sur Planet Crafter. Donc dans l'épisode précédent, on a essayé de récolter l'entièreté des batraciens. Alors, il me semble qu'il m'en manquait un, mais mon manager, le fameux, l'inénarrable, m'a fait remarquer qu'il était potentiellement possible que j'aie mis deux fois le même œuf. Alors c'était quoi? C'était des œufs d'Aphae qui m'avait. Donc ça c'est Uli. Générique. Bon, Aphae, on est d'accord que c'est mauve, hein. Non, c'était pas celui-là. Bon, ça, c'est Aiolus. Si, c'est ça, c'est mauve. Ouais, mauve avec un... Ok. Donc, peut-être celle-là. Ouais, effectivement. Ah, donc, du coup, il m'en manque deux. Ok, ok. Bon, voyons voir. Générique, on est d'accord. Générique ici, oui. Amedo. Uli. Rajou. Enios, donc ça c'est ceux qu'on pouvait avoir mis à la fusée. L'Eglus, donc ça c'est celui qu'on a trouvé dans l'autre dimension, enfin dans le... Comment ça s'appelle? Les carcasses de vaisseaux éloignés là. Œuf de grenouille dorée, donc ça on est bon. Silus, Aiolus, Lavaum, Strabo et Aphae, ok. Donc effectivement, bien vu de la part de mon manager, qui a de meilleurs yeux que moi, à n'en pas douter. Est-ce que... donc Uli, j'avais Amedo aussi, Aphae aussi, Trajou et Strabo, donc ils sont tous là. Donc ça veut dire que ça doit être une recette que je n'ai pas trouvée. Ou un œuf potentiellement... Ah. Soit quelque chose que je n'ai pas trouvé, soit un œuf qui se trouve dans la nature. En termes de craft. Sauf que là, dans l'immédiat, j'ai pas trop trop... Je suis pas trop trop à faire ça, on va dire. Je vais surtout repartir vers les épaves, je pense. Donc là, j'ai 3 biscuits, c'est bien. 3 bouteilles d'eau, ça ira. Excusez-moi, mais je suis un petit peu enrhumé. Alors, fusée éclairante, on va en refaire quelques-unes. On va se refaire un petit stack. Enfin, un stack. Vite fait. Donc ça, ce sera bon, ça, ce sera bon. On va vite fait aller voir nos petites déites. Voir comment elles se portent. Et en même temps, on va récolter un peu de nourriture. Mais on va voir aussi si... Ouais, ça se passe bien ici, à ce niveau-là. Où est-ce qu'elles sont, par contre? Ah, j'en vois un. Oh! On va faire des efforts juste pour manger, toi, mon pauvre. Ah, mon petit dernier. Il est encore trop petit pour qu'on le caresse. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bon. On va essayer d'aller récolter un petit peu de nourriture. Voilà. Juste pour être à fond une fois qu'on partira vers l'exploration. La génétique, bien sûr qu'on met ça là. Ça, on... Donc là on est bon pour partir, je pense. On n'a pas besoin d'oxygène, je pense pas. En tout cas j'en ai pas besoin dans le dernier. On va refermer le portail, on va voir ce dont on a besoin pour trouver une autre chose intéressante. Donc fermer le portail puisqu'on a déjà exploré tous les coffres qu'on pouvait, me semble. Alors difficulté 5 et difficulté 5. Mais rareté 5 c'est très bon. Donc il me faut 3 pulsars, 3 blazards, un magnétar et un verdâtre. Donc un ver à mauve, 3 bleus. Oh merde, où est-ce que je vais? 3 bleus, 3 roses. Une manière un peu bizarre de compter, mais c'est comme ça. Donc on avait dit 3 bleus, 1 mauve, 1 vert et 3 roses. C'est ça, hein? Je me suis pas trompé, je crois bien que c'est ça. On va aller voir. On va aller voir ça tout de suite même. Pourquoi il balaye à nouveau? Ça va, c'est bon, ça va pas changer. Hop. Mon chat qui monte encore sur mon bureau, décidément. Je vais lui donner à manger. Il y a moins de... une heure. Et il a bouffé à la place de son frère aussi. Alors que c'est le plus mince des deux.
Bref, désolé pour... dérangement, je sais pas ce qu'il a. Je lui ai fait des gratouilles. Normalement, pas être aussi attaché, mais bon, bref. On va chercher donc après notre petite épave qui est là-bas, très bien trouvée. Alors, on a des coffres ici. Prunea, waouh, 1200 on prend. Boîte à lumière, on a déjà. Donc, du prunella, ça on va prendre, bien évidemment. 1200%, ça se refuse pas. Quartz Blazar, on prend. Volnus, j'en ai trop. Enfin, j'en ai suffisamment. On peut prendre le moteur de fusée, ça pourra toujours être utile. On pourra toujours s'en passer par après, c'est pas le problème. Enfin, on pourra toujours le jeter, je veux dire. Donc, ça c'est bon. Barre de super élage, on s'en tamponne le coquillard, mais d'une force. On s'en bat le steak, comme on dit chez moi. Puisqu'on peut, on est capable d'en produire assez facilement, donc aucun problème là-dessus. A l'air d'y avoir d'autres coffres dans l'immédiat. Ok, bon, mais la porte elle est assez explicite, j'ai envie de dire. Donc par là, on peut pas. Elle a l'air assez explicite aussi. Très bien. Bon, jusqu'à présent, c'est bien explicite. Oh merde, c'est vrai qu'il faut mettre la lampe. Ok, bon. Jusqu'à présent, pas de complications. Là, par contre, il va y en avoir. Bon. On sait que la sortie, elle est par là. Donc on va mettre une petite fusée éclairante. On va la mettre en bleu ciel, comme ceci. Voilà, enfin bleu ciel. Oui, ici, plus ou moins. Alors. On va essayer de la garder uniquement pour les jonctions. Voir exactement ce qu'on a déjà exploré, ce qu'on n'a pas exploré. Que de fait on a ça en nombre limité. Bon, ici pas de souci, on sait que ce côté là n'amène à rien. Bon, bien. Bon, j'ai oublié de prendre plus de bouteilles d'eau que ça, donc c'est un peu dommage. Bon, je peux prendre une fusée éclairante pour rembourser, c'est plutôt pas mal. On va continuer tout droit ici. Prenons à gauche pour voir en bas ce qui se passe. Ça a l'air d'être un fameux dédale en fait, hein. Chase. Ouais, ça a l'air d'être plus dédalique que ce que je pensais, donc plus bordélique. Et merde. Bon, en vrai, je déconstruis ça parce que j'ai déjà des clés sur moi, j'ai envie de dire. J'en avais 3 pile poil, donc ça rentre nickel. 500 jetons Terra, on prend ça bien évidemment. On va prendre la fusée éclairante aussi tant qu'on y est. On prend ça, pourquoi pas. Grenouille Jumi, et ben voilà, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Plan de micro-puce, on s'en fout. Ça, multiplier de production, d'énergie, merde. Tant pis. Je vais apprendre à pas l'utiliser, donc ça on prend. On prend, ok. Tant qu'on est là. Pas déconstruire ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, on peut pas les déconstruire ici. Ah, je pensais, merde. Bon. Soit, pourquoi pas. Il me semble que. Ouais, j'avais pas exploré ça, bien vu. Il n'y a rien ici. Hop. Prendre la carte d'accès, on sait jamais. Donc maintenant on sait que cet escalier là ne mène plus nulle part. On est d'accord, je l'avais pris, hein, oui. Donc cet escalier là ne mène plus nulle part d'intéressant. Bon, ça c'est un bon point déjà. Alors maintenant, on était où? Ça c'est la salle des coffres, on est d'accord, c'est la salle des coffres. Ça on a vu, c'est bon. Là on était là, donc on était venu d'ici. Donc ça c'est la sortie, globalement. C'est bien. On va d'abord prendre à gauche. On pourrait déjà rentrer, à vrai dire, hein, puisque bon. L'idée, c'est d'essayer de trouver les grenouilles. Mais bon, on va quand même essayer de voir un petit peu ce que ça nous réserve. On va quand même bien explorer un petit peu, quoi. Et je pense que c'est quand même plus passionnant de voir un petit peu d'exploration que de voir des crafts en boucle de grenouilles.
Alors, pardon. La cheminée. La cheminée, malheureusement, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je peux jeter, moi, ici? Peut-être pas acheter, mais disons que je mange, à la limite, pourquoi pas. Donc ça, c'est bon, ça a été fait. Ça aussi, on est d'accord? Oui. Donc, ce chemin-là, il est bon. Et... Donc, j'avais dit que je prenais à gauche, donc c'était là. Et donc, ici à droite, juste avant... Ok, donc ça remène ici. Ça mène ici, il n'y a strictement rien. Très bien. Donc on peut revenir à notre point de départ dans la, enfin avec la bonne échelle, celle-ci du coup. Et indiqué par une petite loupiote de rouge vêtue. Là. Que ça ne sert plus à rien d'aller vers là-bas. Alors ma quête dorée, oui, bon on s'en fout, je vais être honnête. Magneta ou Blazar? Pourquoi pas un peu des deux, tiens, tant qu'on y est. Il y a une petite échelle ici, voyons voir. Je pense pas que ça mène au même endroit, ça ne mène en effet pas au même endroit. Alors voyons voir... C'est encore un truc pour une clé. Bon. Je suis pas sûr que je trouverai grand chose d'autre hein, ici. Plus. Enfin, je veux dire, j'ai la salle des coffres principale, donc bon. À partir de là. C'était où ça? Ah, c'est un nouvel endroit, très bien. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, dans les médias, on sait qu'il y en a une ici, mais. On va attendre un petit peu avant de la prendre. Même chose pour ici en vrai. On a déjà 3 sur nous, donc normalement ça devrait le faire. Donc c'était. J'essaie de me retrouver. Là c'est le moins facile. Ok, donc là j'avais déjà été. Maintenant c'est pour retrouver la bonne échelle. C'était la mauvaise encore. Pratiquement sûr. Ouais, c'était la mauvaise encore. Donc c'est pas celle-là, c'est pas celle juste à côté. Donc. J'ai l'impression que je suis déjà repassé 20 fois par ici. Non, j'ai pas l'impression que c'est celle-là. Hein. Bon, dans le doute, je vais quand même cliquer dessus parce qu'il suffit juste que je dise ça une fois et. Ce serait celle-là, mais pratiquement, ouais, j'en étais sûr. Ouais. Donc. Donc. J'essaie de garder un maximum mes fusées, mais je crois que ça doit être... Pas celle-là, du coup. C'est pas celle-là non plus. Ouais, j'ai toujours les mêmes mouvements, c'est ça le truc. Donc... C'est pas celle-là, on est d'accord. Ah, quoique... Ah, quoique... Non, si, c'était ça... Ah, j'ai un doute. Ok, donc c'est bien celle que j'avais vue dans le Quang. Hop, et c'était ça? C'était celle-là? Ouais, c'était celle-là. Nickel. Ok, donc ça c'est bon, ça on avait vu, rien intéressant dedans. Puis là, on peut prendre les trucs Terra très très bien. On va prendre le Pulsar, mais j'avoue que le Pulsar on peut en crafter, donc on s'en... Ou un peu, d'ailleurs on peut les stocker en vrai. Vu qu'on peut en fabriquer, il y a moyen de trouver mieux. Alors, petit étage en plus, très bien. Hop, bon ben, encore une carte d'accès, hein, pourquoi pas. Donc ça c'est bon. Bon, j'ai pas grand chose d'autre ici. Ici, je crois que j'avais déjà exploré. Ah non.
Prends le quasar. Très bien. Ça par contre, on avait déjà exploré, c'est pas le problème. Donc ça aussi, du coup, dans le fond. Ça, je suis pas sûr de fait. J'ai l'impression que j'y viens. On est d'accord que j'y viens, non? On est totalement d'accord que j'y viens. Donc si je ne me trompe pas, ici, il y a une échelle, juste là, quelque part par là, voilà. Et en réalité... Ouais, c'était bon. Ça va, je me suis rappelé d'un truc dans ma vie, c'est quand même pas mal. C'est vrai que j'avais juste à regarder ça ici, sinon. Bon, pourquoi pas. Et là, en ligne droite, comme ça, est-ce qu'on a quelque chose? Non, et sur la droite, comme ça, non plus. Donc ça, c'est bon. Alors... Je n'utilise pas encore assez mes loupiotes, mais c'est parce que j'en avais trop utilisé la dernière fois. Et j'avoue que je me perdais à cause de ça. Bon, toujours est-il qu'on a eu ce qu'on est venu chercher. Donc ma foi, on n'est pas obligé de rester ici trop longtemps. On en profite juste pour remplir notre inventaire. Et on va devoir se mettre en chasse pour les dernières... pour les dernières... Enfin, pour la dernière recette ou pour la dernière découverte de grenouille. Oh, merde, il y a un autre vaisseau, là. Oh, scheisse. D'ailleurs, je me pose une question ici, parce que, bon... Dans la salle des coffres, d'accord, mais sinon, ici... Non, pareil, on peut pas déconstruire ce machin-là. Chance. Ouais, bon, bref, ici, globalement... Fusée bleue, voilà. Alors. Warm. Pour des étages. Les jetons terrain, on prend. Le quartz solaire, bien évidemment, qu'on prend. J'ai l'impression qu'il est plus rare que les autres. Peut-être qu'une impression, hein, cela dit. Ok, donc ça. Pour me remettre là où j'étais, donc c'est plutôt pour aller par là du coup. Non, ça c'est le coffre que je viens de prendre. Donc c'était plutôt pour aller par là. C'est vrai que j'oublie que je privilégie souvent à gauche, à la droite quand j'explore. La réponse pour ça est assez simple, je suis juste gaucher donc je suis plus à l'aise à gauche. C'est con hein, mais c'est littéralement la seule raison. et parfois par contre je ne fais pas exactement les choses comme je le pense, donc des fois... Pas totalement vrai non plus. Je vais stocker encore deux petites lampes parce que bon, l'arbre lilia ici quand même pas mal, 1200% d'oxygène, on va pas cracher dans la soupe. Ça pourrait m'aider d'avoir des arbres un peu différents. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà. Alors. Prends du quasar encore, pourquoi pas. Alors, donc là on avait déjà été, on est d'accord. Hein. Ah non, ben, on n'est pas d'accord du coup. Ouais, effectivement on n'est pas d'accord du tout. Alors, jetons terra on prend. Jamais jeter les jetons terra. Oh, nice. Comme ça, on se débarrasse de trois clés. Et indirectement, on récupère trois places dans l'inventaire. L'arbre prunéa, voilà ça par contre. 1200, on prend. Très génétique. C'est du 9 en bioluminescence, donc ça j'ai déjà, on s'en fout. On s'en fout. Disons que c'est pas ce qui m'intéresse. La taille en 4, si, un petit peu quand même. On va se débarrasser de quelques fusées, enfin, fusées éclairantes. On prend ça, multiplicateur d'énergie. On prend ça, bien évidemment. On va prendre ce cristal-là. On va voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Les terras. Les jetons terras, bien évidemment. Multiplicateur de production. Enfin, multiplicateur de production, je les prends... Oh, pot d'arbre, intéressant. Je les prends pourquoi? Parce que... Donc, j'avais dit quoi encore?
Ah, et les multiplicateurs de production, je les prends pourquoi? Parce que je suis quasiment sûr que ça doit impacter la production des... comment ça s'appelle? Ah, les machins, les trucs, les bidules qui... Les récolteurs, voilà, les récolteurs. J'allais dire les machins qui récoltent les ressources, et là je me dis, attends, parce que récolte, je crois que j'ai un truc. Je crois que j'ai un truc là, je suis quasiment sûr que... Effectivement. Donc les récolteurs, enfin les extracteurs pour être plutôt exact. Je suis quasiment sûr que ça va permettre de les décupler. Donc je pense que ce qui va se passer, et je peux me tromper, mais c'est comme ça que j'interprète la chose. Je suis pratiquement certain que ce qui va se passer, globalement dans l'idée, c'est que... on va avoir, comme qui dirait, une hausse de la vitesse sur le temps nécessaire pour qu'une ressource apparaisse. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on... Admettons, il faudrait 90 secondes pour que l'extracteur extraie une ressource quand il est tiers 3. Admettons une ressource d'uranium, admettons, pourquoi pas. Eh bien, je pense qu'avec les trucs de production, ces 90 secondes vont simplement diminuer. Ce qui veut dire que ça va augmenter indirectement l'efficacité du truc. Donc pas très très compliqué à saisir, hein, bien évidemment, mais bon. Bon, ici par contre, ce que je ferais peut-être bien, c'est... Hop, ah, j'ai déjà... Je prendrais bien le dernier moteur de fusée, après le circuit imprimé, c'est intéressant aussi quand même. De quoi est-ce qu'on pourrait se débarrasser? J'ai plus grand chose, hein. Une peau d'arbre, j'aimerais bien le garder. La carte d'accès, bon. J'ai déjà eu accès justement à cette... au coffre de cette zone-ci, donc pourquoi pas. Alors maintenant le truc, ça va être pour retrouver la sortie. J'ai pas mis suffisamment de loupiote là du coup. Et que j'en ai plus sur moi parce que j'ai tout. J'ai plus de place en fait. Ouais, j'aurais pu en prendre une, mais bon, tant pis. Bon, j'ai plus qu'un machin d'eau, donc il va falloir que je la trouve vite de toute façon cette sortie, accessoirement. Ah bah elle est là, voilà. Comme quoi en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir tant que ça. Juste avoir les bons codes couleurs, ça aide déjà pas mal. Et une fois qu'on commence à s'habituer un tout petit peu à l'exploration, j'ai l'impression... J'ai bien l'impression, parce que je pense que c'est réellement que ça, qu'une impression. Qu'on retourne quand même un peu plus vite sur ses pattes. Donc ça, on a déjà fait. Aucun doute là-dessus. Enfin, aucun doute. Ils ont aucun doute que je pense avoir, hein, là-dessus. Cela étant... le doute est quand même permissible. Et en effet, il était permissible, puisqu'effectivement, je ne l'avais pas vu. De toute façon, je suis full de barda, et j'ai ce qu'il me faut, donc... On retournera ici à une date ultérieure. Selon les moyens et les envies disponibles, bien évidemment. Petit coffre. Le Itera, il sert à rien globalement. Bon, vas-y, je vais prendre la bouteille d'eau et le biscuit. Et je vais pouvoir prendre ça et ça. Très bien. Alors, où est le portail là-bas? Très bien. Tout ça, mais hop, on fonce dedans. Comme si de rien n'était. Et très bien. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, au niveau des arbres. Et ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Encore faudrait-il que je me fasse d'abord de la place. Peut-être pas au niveau des arbres tout de suite, du coup. Là, on est bien. Tout fonctionne bien. Alors. Au niveau des traits génétiques, on a au moins un qui nous intéressait. Au niveau des machins importants, on a énormément de machins comme ça. Très bien. Les circuits avec. Ah merde, j'ai oublié de mettre le solaire, enfin les quartz solaires. Voilà. Ça, on peut mettre là, on peut mettre là, on peut mettre ça ici et ça là. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous a fait ici? Rien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah, des drones, je crois qu'on en a assez dans l'immédiat. Faudrait quand même que je revérifie, mais je crois que bon, tout de suite, on a assez. C'était pas ça qu'il me fallait, c'était ça ici. Alors, tac. Blueprint tree planter. Voilà, on peut faire un pot d'arbre. On peut faire pousser un seul arbre là-dedans, donc ça peut être intéressant, mais bon, bref. Ça, c'est si jamais on veut faire également la collection des arbres. Bon, là où je le ferai peut-être un jour, je sais pas encore. J'y suis pas encore, en fait. Ouais, quand même garder ça juste pour cette fois. Là. Ok, ah, mais ici tout est plein. Bon, très bien. Bon, ici, on va déjà prendre toute, voilà, toute la farine qu'on a là. On va déjà la prendre, ce sera pas mal. Et comme ça, on va pouvoir faire moult croissant. Dommage qu'ils n'ont pas mis du pain au chocolat. Genre, juste mettre comme un croissant, donc 3 de farine et tu rajoutes juste un de chocolat. Pain au chocolat. Ça me serait paru relativement ok, quoi. Mais bon, bref. Qui suis-je pour juger, hein? Personne. Ça nous en fait combien? Ça nous en fait 3... 6... 9... Bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on est reparti pour faire des biscuits. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement pour créer de l'espace dans ce coffre là-bas. Dans le coffre ici, pour que ça puisse continuer à produire de manière assez sympathique. Et puis pour proposer à mes animaux, bien évidemment, des croissants si jamais ils ont l'opportunité un jour. Par contre, je peux toujours pas le caresser, le petit là. Oh. Ok, on va se contenter d'eux. Hein. Ou qu'il est mon Mogwai Mof là. Il est là. Parfait. Hop. Alors, truc génétique. Bon, le jeu frisouille un petit peu, je vais pas mentir. C'est pas grave en soi. Mais je pense que c'est parce que j'exagère un petit peu, je lui fais faire trop de trucs en même temps. Mais bon, il y a quand même à le dire, on ne sait jamais, c'est pas l'encodeur là pour le coup. Si jamais vous sentez que ça frise aussi chez moi. Au niveau du jeu en lui-même. Bon, bref, bon, il va falloir que je me batte aussi. Oui, la guirnouille. Oh, elle est dégueulasse celle-là. Elle me plaît pas du tout. Autant celle-là, je la trouve vachement classe. Autant celle-là, je la trouve. Bref. Oh, il m'en manque une. Il m'en manque une, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Ce que je vais faire, c'est qu'avant ça. Quoi qu'on est quand même à 28 minutes de VOD. Bon. Quand même regarder vite fait ma. Ouais, voilà, j'ai. Ils sont en train de bien rien foutre, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a le potentiel pour les faire travailler encore plus. Et ça, c'est quand même good. Et alors, qu'est-ce que. Donc, l'uranium, l'iridium, ça fonctionne bien. Le méthane, pareil. Donc, c'est vraiment de l'osmium ici qui me manquerait. Ok. Et donc pour faire des extracteurs, il faut qu'encore 3 titanes, ça je savais, barre d'osmium, super alliage, iridium. Ok. Où est-ce que j'ai foutu le coffre encore? Ah, il est là. Donc, on va en faire 3, je pense. 1, 2, 3. Et 1, 2. Non. 2, 3. Voilà. Et donc il va me falloir 9 titanes. Titane, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, on est d'accord. Ok, donc là ça s'est bien vidé entre temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça m'a l'air d'être correct. Alors, Zéosouf. Nous allons donc ici. On est d'accord que là on lui a demandé de plus rien faire, c'est très bien. On est d'accord que tout ça ici. Ah, là c'est pas vide par contre. Ah, bah déjà ça, juste ça, ça va déjà aider, hein. On va pas se mentir. En voilà un autre.
On va en faire juste un deuxième ici. Donc ici, tac, tac, accessoirement. Et ici, tac. Non, pas demande, c'est offre. Tac, voilà. On va vite fait aller au truc de zéolite. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir voir s'il n'y a pas un petit œuf de grenouille qui s'est remis, là. Ici. Ça n'a pas l'air, hein. Je les aime bien, moi, ces petites créatures-là. J'aimerais bien voir leur couleur. Ou leur modèle de peau, je sais plus. Je sais plus exactement c'est quoi avec les... Sinon, il y a les poissons Oyo que je vais prendre comme ça. J'aurai quelques traits génétiques en plus. Et donc ici, au niveau du zéolite, on offre tout, on est d'accord. Donc ça fonctionne bien. On offre tout aussi. Quoi qu'en fait, du zéolite, je crois que j'en ai suffisamment en termes de production, non? Il me semble, hein. Ouais, non, si, zéolite, je crois que je dois avoir assez. Iridium aussi. À la limite, peut-être que ce sera l'uranium au bout d'un moment le problème, mais bon, on verra ça plus tard. Une fois que je verrai le problème d'où il vient, en fonction de ce que je peux plus régler, je pourrai augmenter leur efficacité. Donc ça, ce sera très bien. Bon, en parlant d'efficacité, on n'a pas un petit problème énergétique là? 1379 kW? Ah, c'est peu, hein. Enfin, c'est peu. Non, mais quand même. On produit après tout 45 520 kW. Et il m'en reste que 1379. Donc ça, c'est ouais, c'est quand même le signe que c'est un peu peu. Du coup, par contre, ici, j'ai de quoi en faire encore un. Bon. Je vais juste prendre 3 de fer. Pour me faire une... un biais truc de rangement ici. Biais quasi de stockage. Puisque ceux-là, on peut les mettre entre les interstices. Qu'on ne peut pas faire avec ceux-ci qui vont jusqu'au plafond. Donc on va dire que ça c'est craft oublié. Ou forgotten crafts. Tac tac tac. On va en même temps mettre tous nos croissants dans l'immédiat, pourquoi pas. Qu'est-ce que je faisais? Donc ça oui. Ah oui, tant qu'on y est, même chose pour faire ça. Donc. Ah, je peux rien extraire de ça, chaise. Bon ben, bonne hein, du coup. Ça c'est bon. Non, j'avais pas envie d'aller là encore. Je dois aller dans les arbres, enfin dans les arbres, dans la forêt. Retrouver potentiellement où j'ai mis mes bazar à arbres, ce serait pas mal. C'est vrai que je les avais pas mis très très loin du vaisseau, mais il est possible, voire probable, voire même de manière assez certaine, que ce ne soit pas forcément... Ah voilà, ils sont là. Alors ici on a quoi? On a du 450. C'est correct. 450, correct. 125. Complètement intolérable. Multiplicateur, c'est très bien. 450, tolérable. 400, bon, pourquoi pas. 175, ce n'est pas acceptable. On va reprendre du palmier ici. 1200% donc. 400% pour les Aemora. Bon, on peut garder les Aemora tout de suite. Le Shreox, on va le retirer, on va mettre du Lilia. Et alors, il y en a un dans le... Ah oui, ben voilà. Les Legia, par exemple, ici, on va le remplacer par le Shreox. C'est pas grave, au moins ce sera plus acceptable. Il y en avait un que j'avais laissé vide, voilà, pour le Prunea. Voilà. Et donc ici on voit que la forêt elle a vachement diminué d'un coup. Mais elle va voilà, elle va se replanter, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle va reprendre. Bien que je crois que les biomes ne vont pas avoir beaucoup de sens entre eux. Ça encore, c'est pas tant un problème. Donc il va nous rester la dernière grenouille. Que je ne sais pas avec quoi on pourrait la crafter. Il va falloir que je fasse des tests. Et je pense que ces tests, je vais les faire hors caméra parce qu'il va sûrement me falloir du temps. Je sais déjà même plus ce que j'avais fait comme test initialement. Ah, est-ce qu'on peut le caresser? Ah, on peut.
juste réussir à voilà, être vraiment sur le bon truc. Là, où Kylian Mogwai, il est là. Voilà. Alors, Mogwai, de mémoire. C'est les Gremlins avant qu'ils deviennent méchants, quoi. Si je me trompe pas. Ça parle peut-être pas aux plus jeunes, je dois avouer. Mais bon, je suis vieux, quoi, que je vous dise. Hein. Ouais. Pour rien. Vas-y, on va stocker ça aussi tant qu'on y est. Bon. Bon, pour les grenouilles, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de fat grenouilles, fatalement. Mutagène tier 2, je crois pas qu'il y avait besoin. Quoique. Ah, je vais en prendre 2, on sait jamais. Je vais prendre 3 mutagènes tier 3. Enfin, on va prendre 3 de tout en fait. Sauf le 4, j'en ai qu'un. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici. J'espère que j'ai au moins 3 œufs de guirnouille. Non. Au moins, par contre, j'ai suffisamment du reste. Ah, j'ai qu'un seul œuf. Waouh, ça va être long. Ça va être long. Je vais d'abord voir si je peux pas chasser un petit peu les guirnouilles. Enfin, les œufs à guirnouille de base. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais me téléporter là où il y a le manager. Et normalement, il y a le cratère qui est pas loin. Alors, je sais plus où par contre, mais je crois qu'il est pas loin. Peut-être que j'open ma map. Oula, non, ça c'est un peu large. Ok, oh, je sais pas si c'est si loin, ça va, c'est par là-bas. Même si j'aurais sûrement eu plus court en passant par. Par un autre endroit maintenant que j'y pense. Je pensais que c'est plus proche que ça. Ouais, comme quoi. Parce que là-bas, je sais qu'il y a deux trucs à grenouilles de base, l'un à côté de l'autre. Par contre, c'est quoi ce truc doré que je vois au loin, là? Ah, c'est une grenouille dorée? D'accord. À la nuit, c'est pas pratique, parce que du coup, si je veux explorer pour les gardiens, bah, je vais prendre une grenouille pour un truc à gardien. Par contre... Comment on se fait... Ah oui, c'est parce que c'est du côté de Xiaodan, j'ai rien dit. Plus ou moins normal, du coup. On est parti du biome. Alors, on passe par-dessus. Pas par-dessus la troisième corde, mais juste par-dessus ça. Et on a le cratère qui est là. Très bien. J'aurais clairement pu avoir un chemin plus court, mais bon, tant pis. On s'en contentera. Et ensuite... voyons voir, voyons voir, voyons voir. Alors je peux boire... Ah mais j'avais déjà ramassé les œufs ici. Oh non, chasse. Il va vraiment falloir que je... Ça on avait déjà pris, on est d'accord. Oh non, je pensais que je les avais pas pris justement. Merde. Bon, bah de mon côté, je vais tout simplement aller chercher des œufs de grenouille pour dire d'en avoir 3. Parce que si je fais un par un, ça va être très long. Et on se retrouve une fois que j'en aurai 3 et que j'aurai trouvé surtout la bonne recette. Donc on va... 39 minutes, on va dire ok. Comme ça, je sais à peu près la taille de la VOD. Et on se retrouve juste après. Ah, je reprends juste ici, puisque en réalité, dans cette zone où il y a l'anneau, je viens de remarquer qu'en fait, il y a bien des œufs, mais c'est des œufs de poisson écarou. Donc des œufs qu'on trouve un peu... on trouve sur deux biomes différents, du coup. Et nice, voilà mon deuxième œuf. Bon, ben, on se re-retrouve une autre fois, mais au moins, comme ça, vous savez que... Là, il y en a. Ah, par contre... Ah oui, nice. Ben voilà, mes 3 œufs, parfait. On se retrouve une fois que j'aurai trouvé la bonne recette, du coup. Et nous revoici après pas si longtemps que ça. J'ai eu de la chance, je pense. En tout cas, je pense pas que je les ai déjà vus. Donc les Feliciana, œufs de grenouille Feliciana. Alors, pourquoi je dis que j'ai eu de la chance? Parce qu'en gros, j'ai décidé de reprendre les recettes de zéro. Donc l'œuf de grenouille générique, je voyais pas pourquoi ça me donnerait d'autres grenouilles que des génériques. Donc j'ai décidé de passer à la deuxième recette, l'œuf de grenouille Uli. Et apparemment, avec l'œuf de grenouille Uli, donc c'est-à-dire, voilà, qu'on peut voir ici, j'ai réussi à avoir probablement l'œuf qu'il me manquait. Alors je vais quand même aller vérifier après, hein, mais
Oh merde, non, oh, ça va, je l'ai pas, je l'ai pas mis dans le... Hop, j'ai eu peur. Donc... Avec cette recette là, simplement, globalement, c'est-à-dire mutagène tier 4 et œuf de grenouille générique. Alors j'essaie d'en faire plus parce que globalement, j'aime bien la bait. Ouais, c'est pas la même. Hein. Et j'aime bien la couleur. Ok, donc elle est déjà plus grande et il me semble pas que j'ai d'autres bleus ciel comme ça. Donc là, je pense qu'on peut dire que c'est complété. J'ai quand même vérifié. Uli, générique, Amedo, Rajou, Feliciana, Kenchos, Leglus, Dorei, légendaire, Jumi, Afae, Strabo, Lavaum, Aeolus et Silus. Donc il n'y a pas de doublon. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que j'ai eu un peu de chance ici voilà, regardez encore une fois. Œuf de grenouille Feliciana. Donc, oui, je vous montre pas. Hein. Mais encore une fois, regardez. Par contre, on les voit pas tant dans le terrarium, mais bon. Donc voilà. Si vous vouliez une preuve, là voilà. Donc, c'est bien avec cette recette-là. Donc, là, j'ai eu de la chance, mais quelque chose de pas possible que ce soit la seule recette. J'essaye qui fonctionne directement, ça me permet de gagner pas mal de temps. Alors je vais juste voir ce que ça permet d'avoir. Ah oh, oui, vas-y. Prends tout ça. N'oublions pas également que nous allons faire en sorte de d'avoir un petit animal comme à chaque épisode. Donc de créer une autre espèce de préférence. Par contre, je pense pas que j'aille débloquer de nouvelles espèces. Non. Dommage. Dommage, c'est dommage. Par contre, ça, on peut prendre. On peut stacker ça, ça. Alors ça, par contre... Bon, les œufs de ouais, grenouille générique, on pourra en redropper plus tard, c'est pas trop grave. Par contre, les poissons Galbea, ça ressemble à quoi encore? J'ai déjà vu. Moi, le problème, c'est que les noms... Galbea, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que j'ai envie d'avoir ça quelque part, un endroit particulier dans la nature? Oui, si, probablement, en vrai, mais bon. J'en ai déjà qui sont stackés ici, on est d'accord, non? Pilou, Doré, Velkia, Galbea. Ouais, j'ai déjà plein de Galbea, j'ai plein de Kuni, j'ai plein d'Oyo. J'ai plein d'Ikaru. Ouais. Bon, là, dans l'autre, en fait, j'ai pas besoin de les garder. Quand j'aurai envie de peupler... Merde, il est où mon warrior? Il est là. Quand j'aurai envie de peupler la terre de... Enfin, cette terre plutôt. De plein de poissons. Un des endroits particuliers, j'aurai de quoi faire de toute façon. Alors à ce niveau-là, est-ce que... Ah, ben voilà, là, ça travaille. Là. 47 et 39, très bien. Ça m'a l'air de beaucoup mieux fonctionner puisqu'on le voit au nombre de fusées globalement. Ici, donc, il n'y a plus trop de problèmes. On voit que l'uranium a un peu baissé, ce qui signifie que, globalement, l'osmium est à niveau. Ok, bon. Maintenant qu'on a fait nos trucs avec nos grenouilles, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien optimiser certains trucs, notamment l'énergie. Donc, on va aller voir au niveau... De ce que j'ai ici, multiplicateur d'énergie, j'en ai 3, alors j'en ai même 6. On va pas prendre 7, ça sert à rien. On va prendre 6 pour l'énergie, ce sera déjà pas mal. Et alors il me faudrait quoi pour avoir... Est-ce qu'on peut les stacker, les optimisateurs de machine? 3 d'obsidienne, 2 poudres explosives et une barre d'uranium, ok. Alors poudre explosive, est-ce que j'en ai encore? Non. Est-ce que je peux en faire? Bien sûr que oui. Là par contre... Enfin je dis ça mais... en fait non. Ah ça j'en ai quand même quelques-unes ici mais... Bon. Je veux en produire donc j'ai besoin de prendre une barre d'iridium. De monter là-haut. C'est vrai qu'il me faudrait... C'est pas encore trop grave.
On appuie là-dessus. Vu que c'est 2 de soufre et 1 d'iridium, on va pouvoir en faire 9 juste avec ça. Donc ce sera déjà tout ça de prix. On va le mettre où? On va le mettre là, hein, je pense. Et là, est-ce que ce sera suffisamment à distance pour le prendre? Oui, parfait. Donc il m'en faut 2 pour une. J'ai de quoi en faire 2. Donc il me faut 2 barres d'iridium. D'uranium, pardon. 2 barres d'uranium. Il me faut 6 d'obsidienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Et il me faut donc 4 poudres explosives. Et là, je touche des jetons de terra. Plus savoir quand même faire. J'adore. On va se mettre au niveau donc de l'électricité. Donc on est atteint 1000 et quelques d'énergie disponible. Bien évidemment, je refuse d'y croire. Hein. Je suis persuadé que nous avons bien plus d'énergie que ça disponible. En effet, il suffit simplement de faire ceci, de refaire ceci. Pour remarquer que nous sommes à 1350%. Alors, on va en profiter pour les caresser tant qu'on est sur le chemin. Hein. Oh non, encore. Oh, cette planète veut vraiment pas que je la terraforme. Coucou Tom. Bon, ça grandir, c'est bien. Bon, l'autre, je sais pas où il est, et j'ai pas envie de rester dans les parages pour me prendre une météorite sur le coin de la gueule. Alors. En termes d'énergie, on en est où du coup? Voilà. Là. 87 236 kW de disponible. Ça va, je crois que je suis bon. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des multipliateurs de production. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a de quoi en faire 3, justement. Les multipliateurs de pression... Si, ça peut être pas mal, multiplicateur de pression pour une chose. Ok. Donc il me faudrait... Je vais y arriver. C'est pas l'iridium. C'est 1, 2, 3 barres d'uranium. Oh purée, au secours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 machins explosifs. Wow, mais comme ça abuse quand même. On fait ça juste pour dire d'avoir moult. Merde. C'est pas ça que je visais. Donc pour avoir moult iridium. Après, en vrai, apparemment ça prenait l'iridium de là. Donc en soi, c'est pas tant dérangeant. Hein. Bon, déjà on va prendre tout ça et on va ajouter tout ça ici. Donc, voilà. Donc, ce sera très bien. En termes de nourriture, mangeons ce qu'on peut. Et on va aller voir du côté de l'uranium peut-être. Faut que je vois ce qui diminue. Est-ce qu'il diminue pas trop en fait. J'ai l'impression que ça fonctionne quand même vachement bien. L'iridium, ça a l'air d'aller. L'uranium, ça a l'air de diminuer. Alors au niveau du gaz, bon, en vrai, au niveau du gaz, on est encore full. C'est juste que, bon, ouais, on est vraiment, vraiment, vraiment full. Donc c'est vraiment l'uranium qui a l'air de chuter. Zéolite un petit peu, bon. Ouais. Donc, selon moi, il en faudrait... Ah, en fait, j'avais de quoi en faire 4, puisque j'ai de la pression. J'ai de quoi en faire 4, donc 3 au niveau de l'amélioration ici. Donc je pense que 1 pour l'uranium, 1 pour l'osmium et 1 pour le zéolite serait pas trop. Hein. Je pense que ça serait pas mal. Hein. Et on va voir si ce sera bien ça qui va changer quelque chose. Donc qu'est-ce que ça change ça ici? Diviseur de temps de production 0,25. Donc si on en met 3, ça fera 0,75 de diviseur de temps de production. Donc ce serait comme faire x 0,75. Diviseur de temps de production, donc ce serait comme si c'était 75% de diviseur de temps de production, c'est ça? Oh, ça va speeder à fond alors, non? On va voir. Hein. Ziyousouf. Alors. Faut que je vois. Ah merde, c'est vrai. Ah oui, ça, heureusement on en a un ici.
Merde, j'ai oublié l'obsidienne. Effectivement. Donc j'avais pris pour en faire 3, donc il m'en faut 9. On va directement aller à la lave. Puisque c'est là que ça produit. Alors, 9. Est-ce que j'en ai 9 là-dedans? J'en ai 5, 10, ça va, j'en ai plus que 9. C'est parfait. Hush, hush. Voilà. C'était où? C'était au souffle. Alors, c'était au souffle. Donc, voyons voir. Donc, je vais juste aller voir sur. J'ai tapé sur internet. Extracteur T3 Planet Crafter. Alors, voyons voir le tier 3. Parce que j'avais la réponse. C'est 1 minute et 15 secondes. Donc, 75 secondes. 75 secondes, ok. Eh bien, on va analyser ça ici, hein, globalement. Ceci, ici, là. Diviseur de production, voilà. Plus. Alors, voyons voir. Dès qu'on va en avoir un qui va tomber ici. On saura. Est-ce qu'il est pris dedans seulement, il me semble. Ah, ils sont tous pris dedans en fait. Bon. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'offre globalement. Et on va prendre celui-là. Ok. Donc à partir de ce moment-là. Donc il y en a un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, en fait j'en sais rien. En fait j'ai pas regardé exactement l'heure à laquelle c'est apparu ce truc. Malheureusement, enfin la seconde je veux dire. Donc faut que j'attende le prochain qui apparaisse. Allez, por favor, por favor. Et je ferai en x8 hein, le temps d'accélération, puisque si ça prend du temps, bon, pas grand chose. Une fois qu'on l'aura trouvé par contre. Ok, donc je suis à 49 secondes, donc on va voir, donc 59 minutes, 49 secondes. Ok, donc 32 secondes, enfin 1 heure et 32 secondes, donc 49, allez on va dire que c'est à peu près 45 secondes, toutes les 45 secondes ce serait possible. Toutes les 45 secondes à la place de toutes les minutes quart. Il ferait gagner globalement 30 secondes à chaque fois. Quand même pas dégueulasse, hein. Ce serait pas dégueulasse du tout en réalité, on va pas se mentir. Bon, par contre, ici, comment je mets mon optimisateur, on verra bien. Bon là ça va toucher de toute façon tout le monde je pense. Là je fais ça, ça touche tout, parfait. On va aller du côté de l'uranium maintenant. Alors uranium, uranium, uranium. Bon on va faire ça ici hein, je pense. Hop. Ok, donc là ça prend. Bon, ça prend quasiment tout sauf une seule machine là-bas. C'est suffisant pour moi. 40... Allez, on va dire 45 secondes vite fait si on arrondit. Donc on a quand même gagné dans l'histoire 30 secondes. Hein. 30 secondes sur une minute quart, c'est... enfin sur 75 secondes, c'est quand même énorme. Hein. C'est presque la moitié. Par contre, je sais pas du coup s'il va peut-être pas falloir que j'augmente ma capacité de drone. Parce que les pauvres, je crois que je vais les surcharger avec ça. Hein. Potentiellement. Je pense qu'on pourrait peut-être monter à 100 drones, donc il m'en faudrait 17.
obsidienne. Quoi qu'il m'en faudrait encore 3. Il me faudrait une barre d'uranium et encore potentiellement 2 trucs d'explosifs. Là, on pourrait augmenter notre pression. Là, ça continue à créer ça, donc on va vite aller augmenter notre pression, pourquoi pas. Après, c'est vrai que je pourrais commencer à chercher aussi... Bonjour, toi. Je pourrais commencer à chercher pour les papillons. C'est vrai que ce serait pas déconnant. Mais bon... Est-ce qu'on a vraiment autant envie d'avoir une collection de papillons complète que de batraciens de poissons? J'avoue, je suis un peu moins fan, mais... Je me dis que limite, l'autre collection, je la ferais bien en solo, quoi. De mon côté, je veux dire. Je sais pas, hein. En fait, je sais pas. Ah, j'aime bien ces arbres-là, en tout cas. Les arbres bleus, là, comme ça, ils sont jolis. Bref. On est parti pour... On a combien là-bas? Alors ça ne tourne que quand on est suffisamment proche, regardez ça, ici ça ne tourne pas. Et voilà, là ça commence à tourner. J'imagine qu'ils font ça pour économiser un maximum d'énergie sur le jeu. Enfin quand je dis énergie, c'est pas dans... c'est pas l'énergie concrète, hein, c'est... Pour que le jeu demande un minimum de ressources, on va dire. Sur l'ordinateur. Je pense que c'est pour ça. Ok, bon, on va essayer de le foutre là, je pense. Pourquoi pas. Bon, ça là. Alors, il y en a un ici qui est pris et c'est tout. Donc, c'est complètement useless de le mettre là. On va déconstruire de fait. Plutôt le mettre. On va plutôt le mettre là, hein, de fait, je pense. Plutôt le mettre ici. Alors on en a au moins une. Pas deux? Sérieux? C'est chaud quand même. Bon. Il va falloir que je déconstruise certaines choses. Et que je les ramène au bon endroit. Si on veut juste que ça progresse un peu plus vite. Voilà. Alors on est d'accord que t'es dedans. Voilà, parfait. Je sais pas combien de... Je peux pas le déconstruire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il faut vraiment être à un endroit précis ou... Je sais pas. Voilà, on en est où? Ça, on a encore de la place. On va peut-être pouvoir déconstruire les trois là-bas en vrai. Alors... Très bien. Ok. Là, on est bon. Maintenant, le truc, c'est de réussir à mettre tout ça dans la zone. On verra bien. Bon, je pense que ça ici, par exemple, c'est sur la zone. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors où il est mon machin là pour optimiser. Alors si jamais je fais ça, tout est pris dedans j'ai l'impression. Et ça peut augmenter combien de trucs? Oui, machine. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Bon, ça, j'en aurais pas 8 de toute façon. Donc, 3000 de pression, là. Très bien. Il doit être compris dedans, hein, je pense bien. Ok. Voilà, c'est bon. Ouais, parfait. Donc, c'est... Non, c'est supposé être à combien? 3950 de pression par seconde. Le truc c'est que là je vois pas à combien on est. Je peux pas zoomer.
Comment je fais pour savoir à combien on est en pression, bordel de merde? Ah, j'en peux plus. Mais... alors combien on est là? À 295 pk par seconde. Bon bah ça m'a l'air d'être ok. En plus si elles sont pas très droites, on fera avec. Voyons voir. J'espère par contre que j'ai pas surchargé mes fusées. Enfin, si j'ai surchargé, c'est pas grave. En vrai, il faudra juste que j'en fasse plus. Mais bon. On verra bien. On va continuer à boire. Scheiße, j'aimerais bien juste boire, s'il vous plaît. Merci, boire. Voilà. Et on va manger un peu de cacao. Ah, c'est pas encore prêt. Oui, est-ce que ça se passe bien ici? Non, toujours pas. Donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on fonctionne à plus que plein régime. Ok, l'iridium, l'uranium. L'uranium a l'air de fonctionner. Ok, ok. Même l'iridium maintenant qui commence à avoir du mal, j'ai l'impression. Et même ici. Au niveau des fusils, on est bien par contre. Enfin, on est bien. Tu comprends? On est plutôt pas mal. Tout en activé, on est d'accord. Hein. Il n'y en a pas une qui sera en désactivé parce que j'aurais commandé un truc. Non, ça a l'air d'être bon. Celle-là, elle est partie, mais j'avais rien demandé, donc... enfin, je pense pas, donc c'est bon. Ok, nickel. Nickel, nickel, nickel. Tout se passe pour le mieux dans l'immédiat. Eh bien, dans l'immédiat. On va retenter d'avoir des traits génétiques, très bien. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, donc au niveau de la nourriture, ça se passe bien. Suffisamment alimenté. Là, stockons tout ça. Et ensuite... je crois pas qu'on aille de quoi en faire d'autres. En effet, refaisons quelques... pourquoi que j'en ai quand même pas mal du circuit imprimé, donc faisons plutôt ceci. Voilà. Ça va y être utile. Donc il m'en faudrait combien, j'avais dit? On était à 83, je crois, donc il m'en faudrait 17. Et là, donc c'est combien? C'est 5. Ça ferait 8. Si jamais je le remplis deux fois. Très bien. Très bien. Remplis deux fois plus 1. Globalement. Et en attendant, ce que je vais voir, c'est... on fait comment encore pour avoir les machins... fer et tissu. Il y en a combien? Ou j'aille revoir le message de mon manager. Manager, papillon, papillon... ah, par contre, il est peut-être loin, le commentaire, aussi. Peut-être aller retourner vite fait. Voilà, donc là, ça fait un plein. Grenouille, etc., oui. C'est pas là encore... ça va être compliqué hein, pour trouver grenouille, admettons. Si jamais je tape grenouille, peut-être qu'il me... alors, 19 papillons. Donc il va me falloir 19 fer et 19 tissus. Ok, donc là il me manque quelque chose, mais il me manque quoi? Moteur, circuit imprimé. Ah, peut-être du super alliage en fait. Hein. Non, ça va. Hein. Moteur. Moteur, j'en ai encore quelques-uns. Pas grand-chose, mais j'en ai encore quelques-uns. La poudre, j'ai encore un petit peu de moteur. Est-ce que ce serait les... ah, ça peut être les circuits imprimés. Les circuits. J'ai pas assez de circuits. Donc il m'en faudrait encore 4. Très bien. Là, il me manque quoi pour en avoir? Me dis pas que c'est l'azote. C'est l'azote, bordel de merde. Boum. Boum. Pas tout ça, mais j'en ai pas vraiment. Non, c'était pas ça que je voulais faire.
ici. Voilà. Faut juste attendre que l'azote arrive. Après, je crois que je n'en ai plus des extracteurs de gaz qui font de l'azote. Azote. Azote, merci. Avec tout ce que j'ai de l'autre côté, normalement, ça devrait suffire. Donc ça, c'est bon. Alors, là, on est bon. Là, on va être bon au bout d'un moment. Pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Bon, on va déjà prendre tout ça. Donc, il m'en manquerait 4, si je me trompe pas. On va déjà les mettre à plein usage, hein, parce que si on ne les utilise pas, bien évidemment, ils ne servent à rien dans l'immédiat. Donc, j'étais à 83 de mémoire. Non, 6, donc il m'en manque bien 4. Les 100 drones serait pas mal comme objectif d'épisode, tiens. Pour le temps que ça continue à retravailler, on va essayer de voir pour faire un petit animal. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'animal? L'espèce, par contre, on est encore sur du 3. Bon. Est-ce que je referais pas de l'espèce 3? J'aime bien les chevaux, là. On va faire de l'espèce 3. On va le mettre en couleur de motif de peau, en bleu, comme ceci, je pense. Pour dire de changer un petit peu. En couleur B, le petit rouge, ça me paraît pas mal. Et en couleur A, le blanc. Voilà. Blanc et rouge, bon, ça fait couleur du standard, un club un petit peu ennemi de ma région, mais c'est pas grave. Très génétique, couleur de motif de la peau, je crois que j'ai déjà pris. Hein. C'est ça. Alors ici, au niveau de, du modèle de peau, on va prendre le modèle 3. Alors la variante, on va prendre la variante 5. Bioluminescence 10, admettons, pourquoi pas. Alors la taille en 5. C'est un gros dada. Donc ça c'est bon. On a pile poil tout ce qu'il faut. C'est nickel. On va stocker ça juste ici pour que ce soit parfait à ce niveau-là. Nickel. Où est-ce que j'étais, moi? Enfin, qu'est-ce que je voulais faire? Je m'en rappelle plus. Ah oui, merde, c'est pas par là. C'est ici. Merde. Et de stocker ça. Alors, on va utiliser, tac, voyons voir ce que ça donnera. Normalement, ça nous devrait nous redonner un petit cheval. J'appelle ça un petit cheval, mais bon, voilà. Oh, oh oui, purée, par contre, le... Oh, les couleurs sont magnifiques. Je te le fais pas dire, hein. T'es mignon, tu le sais, ça. Tu gagnes des chevaux. Parce qu'ils ont une tête de chien. C'est vrai qu'ils ont tous une tête de chien. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Ah, ils sont tous mimi. Même lui, je le trouve mimi, en vrai. Hein. Et je sais, vous pouvez me trouver bizarre, mais bon. Le seul animal que je trouve un petit peu moins mimi, c'est lui. Je trouve que, bon, il est un peu bizarre, disons. Enfin, c'est surtout sa queue qui me fait... voilà. Mais dans sa bizarrerie, je l'aime bien grâce à ses couleurs. Je pense qu'il aurait été d'une autre couleur, j'aurais peut-être moins bien aimé, je pense. Voilà, un petit trait génétique ici, un petit trait génétique là. J'avais pas un petit rose, moi, quelque part, qui traînait? Petit rose! Où est-ce qu'il est? Mon petit rose dactyle. Où est-ce qu'il est, mon petit cheval rose, là? Ça, c'est rouge, donc c'est pas rose, déjà. Ouais, mais j'ai 4, il est où mon cinquième là? Deux. Au niveau de la nourriture, ça a l'air d'aller pour le moment. C'est plutôt cool. Et on va travailler donc, j'avais dit combien? 19 papillons. Ouah, 19 papillons. Il faut 19 tissus et 19 de fer. Pour le fer, pas de soucis, le tissu normalement. Ça devrait se faire aussi. Qu'est-ce qui me manque là? Ah, probablement un moteur de fusée, peut-être. Mais j'ai pas l'uranium qu'il faut. Excusez. Oups.
Alors, drone tier 2. Normalement, c'est ça. Parfait. Donc là, on a exactement ce qu'il nous faut et on va repartir sur ceci. Comme cela, je pense. Hein. Quoique, pour faire le moteur de fusée, il me faut. Non, ça va, il me faut pas de truc particulier. Donc ici, on pourrait être à 100 drones. Au total, voilà qui est fait. Là, on est quand même assez content. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est crafter mes 19 machins. Donc 19 de fer et 19 tissus. Hein. 1, 2. Ah oui, peut-être se débarrasser de ça avant. Enfin, se débarrasser, on a compris. 3, 4, 5. Ok, 5, 10, 15, 10. Alors, 5, 10, 15, 16, 17, 18, et avec celui-là, ça ferait 19. Parfait. Normalement. Maintenant, où est-ce qu'on va mettre ces foutus papillons? Bah, je pense que ici, ce sera très bien. Ça fera une très belle décoration. J'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus haut, en fait. Et ça aurait été nickel. Donc ici, on va déconstruire, du coup. Ok, nickel. Où est-ce que c'est? C'est là. Alors, tac, tac, tac. Donc ici, déjà, on va en avoir 9. Alors, on va en mettre juste un ici pour dire de faire le 10. Et on va refaire 9 à côté. Ça me semble être le plus efficace. On va le faire ici. Hop, hop, hop. Merde. Tac. Voilà. Ça me paraît le plus efficace, globalement. D'ailleurs, ça se craft comment ce machin? Ah oui, silicium et un quartz. Bah, j'ai juste envie de voir un petit peu ce que ça donnerait, tiens. Important, donc ça et deux siliciums, on avait dit. Un, deux. On va voir un petit peu ce que ça donnerait. Bon, après, ici, c'est quand même relativement bien éclairé, mais. Peut-être même le mettre en haut, en vrai, en hauteur. Ok, on va peut-être le mettre là où il y aurait les poissons de Tieng. Dans l'eau, peut-être. On puisse les observer de nuit. Jamais je mets ça là, admettons. Et que je veux la couleur soit quelque chose comme. Quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression que ça illumine tant que ça, hein. Non, pas vraiment l'impression que ça illumine tant que ça. Après, c'est peut-être parce que c'est sous l'eau. Et que c'est pas supposé aller sous l'eau. C'est une possibilité aussi. Que je ne négligerai pas. Alors ici, est-ce que ça se passe? Ça se passe, mais bon. Il semblerait que mes robots là n'arrivent plus à suivre la cadence. Qu'est-ce que c'est que cette fainéantise? Ah non, c'est qu'il n'y a plus de fusée. Mais pas de la fainéantise. C'est l'impossibilité de livrer. Comprends. Je comprends parfaitement. Ok, bon, on va pouvoir travailler là-dessus du coup. Boum. Voilà, déjà pour commencer. Alors on a 3 fusées. Alors ok, c'est. Enfin 3 moteurs de fusée, très bien. Est-ce que c'est parce que c'est parce que c'est ça? Oh, il va me falloir 3 circuits imprimés. 3 circuits imprimés à chaque fois, ça va être dur. Ouais, surtout que j'en ai plus. Ça va pas être facile, va pas être facile, facile. Ok, bon, mais circuit imprimé, qu'est-ce qu'il faut pour en faire déjà? J'ai déjà oublié. Granulé, bon, tout ça, je devrais avoir normalement en vrai. Ça va, j'en ai quand même quelques-uns, ça devrait le faire. Bon, déjà, je vais en faire ne serait-ce que deux pour commencer. Deux machines, je veux dire. Donc, on va attendre d'être à 6. Et on va passer, on va switcher après sur quoi? Sur le granulé de bioplastique. 4, 5, 6, hop, voilà. On récupère tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici?
Barre d'uranium. On va faire 2. Et super alliage, très bien. Ok, 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 ok. Ça, on peut re-ramener par ici. Bon, la zone de vente va être énorme, hein. Je vous l'ai dit, moi, c'est argent vend tout. Tout ce qui peut se vendre sera vendu. Et qu'importe la taille, c'est pas la taille qui compte, c'est l'argent que ça rapporte. Alors, c'est bon. Et où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est? Ici, voilà. Parfait. Magnifique en vrai. On active, bien évidemment, et on va demander quoi en... ça c'est de l'offre, c'est de la demande, moi, qui me faut. En demande, on va accepter... On va accepter quoi? On va accepter les échantillons de bactéries, déjà, pour commencer. On va accepter la nourriture, là. Et on va accepter... le quartz pulsar. Même chose pour ici. Quartz pulsar. Mais ici, uniquement du quartz pulsar. Parce que là, normalement, on est blindé. Hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et, par contre, en effet, l'uranium commence à avoir du mal à suivre. Mais l'iridium aussi. Par contre, l'osmium, très bien. Très bien. Ok, donc l'uranium commence à avoir du mal à suivre. Intéressant. On va aller voir ça tout de suite. Si on a moyen d'arranger ça, bien évidemment. Alors, on va juste récupérer tout ça. On va foutre là-bas. On va demander également à refaire les circuits imprimés aussi, tant qu'on y est. Voilà. Donc j'avais besoin de quoi moi ici encore pour ça? Osmium. Donc 1, 2. 1, 2 ou 1, 2, je sais plus. Je sais plus lequel des deux c'est. 1, 2. C'est bel et bien de l'iridium. Ça c'est bon. C'était quoi après? J'ai déjà oublié. Du titane, voilà. Donc il m'en faut combien? Il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, très bien. On va juste prendre à manger tant qu'on est là. On va prendre le croissant que j'ai stocké là. Hop, merci. Alors, du côté de l'uranium. Après, on va vérifier aussi que c'est pas parce que on est mal desservi. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. Non, ça a l'air d'être bien desservi. Ouais, non, c'est bien desservi, hein, même pas de soucis là-dessus. Ça, c'est desservi comme il faut, c'est desservi, très bien. Ça, c'est desservi aussi, malheureusement. Desservi, très très bien. Après, ce que je pourrais faire, c'est stopper dans l'immédiat la production d'uranium, déjà pour commencer. Enfin, des barres d'uranium. Ça, ça aiderait déjà beaucoup. Alors, une chose que je peux faire aussi pour aider dans tout ça, mine de rien... c'est que je peux potentiellement remplacer ça par du tier 3. Ah bah non, ça c'est pas possible. Il y avait une machine juste avant qui fonctionnait fort bien. J'exagère, hein. Enfin, il y avait une machine ici juste à côté qui fonctionnait très bien. Pourquoi tu me dis que là maintenant c'est plus possible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Intolérable. Inacceptable. Inconcevable. Qu'est-ce que... Ah oui. Ah bah j'avais pas vu qu'il y avait un tien ici. Ok, bon, bref. Tier 3 du coup. Si. Toi tu vas faire de l'uranium et tu vas tout offrir.
Et normalement, ici, on devrait quand même avoir la place. On va quand même pas me dire que non, uranium. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie, hein? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Enfin... J'adore, hein, parce que je le mets juste un tout petit peu plus loin, il n'y a pas de problème, mais bon. On va le mettre là, de toute façon c'est pas ça qui est très important. Tac, tac, voyons voir si on le prend bien de là-bas. Ça a l'air. Ah, peut-être pas en fait, je sais pas trop. Après, de toute façon, il peut en prendre que 8, donc bon, pourquoi pas. Là, on n'aura plus de problème à ce niveau-là, ça c'est une certitude par contre. Alors ici, on va aller, donc zéro souffle, c'est fait, on va aller dans la chambre, parce que là, c'est l'iridium qui va commencer à poser problème, du coup. Et oui, indirectement. Alors. Boudin, coucou. 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 Et coucou, voilà. Très bien. Et donc là, c'est l'iridium qui va commencer à poser problème, je pense. Alors. Ça m'a bien l'air d'être le cas. Ouais. Ok, bon. Merde, il manque de la barre de, des barres de suivant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vrai que j'avais quand même construit mes deux trucs d'uranium. Parce que bon, j'ai changé en tier, de tier 3 à tier, tier 4. Tier 2 à tier 3, pardon. Ah, je me perds, je me perds, je me perds. C'est pas trop grave. Et c'est vrai qu'après les papillons... Bon, bref, les papillons, on verra ça plus tard. On verra ça dans le prochain épisode. Ok, donc tout ça, c'est bon. Tu nous en refais, c'est très bien. Vas-y, continue. J'adore ce que tu fais. On refait un petit peu des machins comme ça, là. Tant que tu y es... Boum. Alors ici. Ce qu'il me fallait, c'est des barres de semi, on est d'accord. On va même en faire un petit peu plus. On demanderait pas à ce que tu me fasses un petit moteur de fusée, là, à tout hasard. Enfin, tu vas pas me dire que t'as... Mais si, l'uranium, chasse. Attends, bouge pas. Bon. Et, voilà. Et tu te serviras bien de, la... de ce qu'il y a en haut, c'est très bien. Donc ça c'est bon. Donc 1, 2, ok, bah, parfait, 3, même 4, hein, si je peux m'en sortir un quatrième. Voilà, merci. Donc ça c'est bon. Donc là j'en ai 3, 4 du coup. Voilà. J'en ai 4 d'iridium, il me faut donc 4 super alliages, donc 2 ici en plus. Voilà. Là on est pas mal. Là on est relativement pas mal. Je pense qu'il va falloir que je double ma logistique. Oh, le gars infâme qui veut toujours plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps plus. Oh. Désolé à mes drones travailleurs, désolé. Je... Ah mais merde, j'aurais peut-être pas assez de titane. J'aurais en effet pas assez de titane, chasse. Mais il y en avoir là-dedans, non? Du titane. Oh, chasse. Pas de titane. Mais incroyable, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Merde, pourquoi je sais pas penser à tout d'un coup, moi? Certainement déjà parce que je suis con, ça s'arrête pas, on va pas se mentir. Mais surtout, j'ai une mémoire qui est horrible. Bon, tout a été pris ici, donc ma foi... Continue à produire, c'est pas mal. Broup. Nous voici à rentrer et il me faut du titane.
1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Et après, on s'occupera de refaire des fusées, bien évidemment. Puisqu'on ne peut décemment pas se permettre de ne pas avoir de fusée où envoyer nos charmants. Comment dirais-je, nos charmants produits. Ça me semble être complètement. Complètement impossible que nous ne puissions pas vendre. Le seul prétexte qu'on n'ait pas suffisamment de logistique, c'est inconcevable. Vu que c'est inconcevable. Voilà. On va faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, on offre tout. Prends donc mon iridium. Ah, zir. Ish. Alors, prenez donc mon iridium. Et on peut encore en faire un, je pense. Ici. Voilà, parfait. Alors, iridium. Ouh, très bien. Voilà, normalement, on est bon. Là, normalement, j'ai réglé un problème d'approvisionnement. Il est bien, normalement. Alors. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Récupérer des traits génétiques, par exemple, pas mal. Voilà, pourquoi pas. Vu que c'est sur le chemin, autant en profiter. Ai-je envie de dire? Ouais, il y en a quand même beaucoup qui ne servent pas à grand-chose, mais bon. Bon, j'ai encore 4 trucs de fusée ici. Donc là, c'est bon, il n'y en aura plus. Il n'y a plus d'uranium en haut, c'est bon. C'est bon. J'ai bien tout ramassé, c'est très bien. Repart faire ceci. Pardonnez. Donc il en faut 3 pour une, hein. On est d'accord. On est d'accord. Bon. Disons que j'en veuille 2. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est d'accord. Ensuite, il me manquait quoi? C'était quoi comme barre qu'il me fallait? Uranium et super alliage. 2 et 2 d'uranium. Très bien. On est reparti pour en refaire quelques-unes des petites fusées. Alors ici, est-ce que ça se passe bien? Ça m'a l'air, hein. Ça a l'air de tourner, l'osmium. Ah, l'iridium du mal, hein. L'uranium aussi apparemment. L'uranium, c'est parce qu'il n'a pas encore eu le temps de se restocker à cause de tout ça. Mais là, le reste, ça a l'air d'aller. Ça va se jouer entre, ouais, entre tout ça, quoi. Et le méthane commence à avoir du mal aussi. Ça va être un peu dommageable. En fait, il va falloir que je commande plein de trucs de production. Hein. Je pense. Hein. Je sais pas si ce sera vraiment une bonne chose, mais. En fait, donc, si je continue à vouloir optimiser ma vente, je finirai jamais le jeu. Je serai toujours en mode on peut toujours gagner plus. Toujours moyen de se faire plus d'argent, c'est sûr. Pensez à tous ces hommes riches. Pensez vraiment qu'ils se contentent simplement de l'argent qu'ils ont? Bien sûr que non. Bon, par contre, où est-ce que je peux les placer, moi, ces petits machins là, là? Parce que moi, je veux bien, mais j'ai plus la place en fait ici. Hein. Peut-être vers la. Oh, quoique, même pas. Hein. Quoique. Ici, ça devrait le faire quand même. Qu'est-ce qu'il y a qui te gêne? En vrai de vrai. En vrai de vrai, qu'est-ce qu'il y a qui gêne ici? Ah ben voilà, je me disais bien. Un là, disons. Un là, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors. On active. Toi, tu vas demander exclusivement du pulsar. Et toi, tu vas être actif et tu vas demander. Exclusivement de la bactérie et on fait plus de barres de toute façon, à part des barres d'osmium. Prends du quartz pulsar aussi et prendre la nourriture avec, hein, du coup. Pourquoi pas. Bon, voilà. Maintenant qu'on a réglé ces petits problèmes,
On peut appeler ça des petits problèmes. On va également vérifier qu'on puisse avoir pour le prochain épisode l'œuf de papillon Falleria. On va en prendre deux, je pense. On a 104 000 jetons Terra disponibles, donc ma foi, pourquoi pas. Hein. 65 000 total de jetons Terra échangés quand même. Sur l'épisode précédent, on était à 100 000, je crois. 100 et quelques mille. Donc on a quand même bien progressé aussi à ce niveau-là. Donc on va lancer la fusée commerciale, mais pas tout de suite. Puisque je suis sûr qu'on puisse la remplir encore plus. C'est une certitude même. On va quand même pas la envoyer à blanc, hein, ça n'a aucun intérêt. Prenons ceci et puis allons-y. Alors j'en prends deux, une pour mettre dans un machin à papillon. Ou pour potentiellement... voilà. Ou pour potentiellement utiliser dans d'autres circonstances. Tiens, prends ça tant qu'on y est. Et prends ça, voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va se quitter ici. Je pense qu'on a quand même pas mal avancé. Cette fois-ci, c'est entièrement terminé pour les Batraciens. C'est entièrement... pas terminé du tout pour ma logistique ni pour mes gains à venir, mais bon, il y a déjà du mieux. On a atteint les 100 drones, on a déjà fait notre petite bébête aussi. Qu'est-ce qui va me rester à faire? Donc oui, il me restera les papillons à faire, voir s'il n'y a pas une quatrième espèce potentiellement, parce que là actuellement on a trouvé que 3 espèces. Puis bon, ben le reste, ce sera quand même beau la nuit, hein, quand ça travaille comme ça, là. Bon, ben je pense que, en fait, un des objectifs à terme, ça va peut-être être de doubler ma logistique. Hein. Je disais ça en rigolant, mais ah, quoi que. Ah non, ça a l'air d'aller avec les 100, ça va. Ça a l'air d'aller. Bon, j'ai eu peur un petit peu, mais bon, ça va, tout va bien. Ouf. Donc la logistique, c'est bon, c'est réglé, si on reste dans l'état actuel. Mon état de vente me plaît actuellement, donc je pense pas que je vais l'augmenter. Je vais juste vérifier que tout est bien approvisionné au niveau de la nourriture pour mes bêtes. Et si c'est le cas, vraiment les derniers objectifs qu'on pourra... Ouais, c'est bien le cas. Les derniers objectifs qu'on pourra vraiment se donner, c'est vérifier donc déjà la collection de papillons hein, qui sera ici. Ce crypt est une petite base au niveau de l'endroit de paradis, donc au niveau des montagnes au nord, là-bas. Ensuite, potentiellement bien remplir tous les lacs, mais ça, ce seront des trucs que je ferai en off et que je vous montrerai une fois que ce sera fini plutôt. Terminer également la phase suivante. Donc là, on est à 49%. Donc on doit être à 5 TTI, c'est ça? C'est ça. On est à 3,12, donc on va travailler pour augmenter ça à mort. Et pour ce faire, je pense qu'on va partir globalement sur... partir sur des fusées, je pense bien. Notamment pour les animaux, mais pas que. Épandage de graines. Diffuseuse d'insectes. Ça, on a déjà fait. Fusée à plantes, projection magnétique, etc. Donc on pourra faire un petit peu tout ça. Ah oui, épandeuse d'animaux, voilà, c'est ça. Ça, on pourrait faire, de fait. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être en faire deux d'un coup, non? Barre d'osmium, mutagène tier 4, deux moteurs de fusée. Et il faut juste 6 trucs génétiques. Ah, en vrai, on va vite le faire. On fera ça, on coupera l'épisode là-dessus. Et après, en termes d'objectifs, bah, j'imagine de voir la fin, hein, je suppose. Trouver... Ah oui, non, aussi trouver les trucs gardiens. J'imagine que ça fait partie de la fin, mais... Donc ici, il m'en faut 6. Très bien. Bah, prenons la bioluminescence déjà. 1, 2, pourquoi pas... ça nous en fait combien? Ça nous en fait 1, 2 aussi, 1, 2, 3 même. Disons ceci, on va en prendre 2 aussi. Les espèces, bon bah on n'a pas trop le choix. Donc ça nous en fait combien ça? Ça nous en fait 10, 13. Déjà un petit peu de trop, mais c'est pas grave. On verra lesquels seront sélectionnés, c'est pas si grave que ça. Il m'en faut deux comme ça, il me faut deux moteurs de fusée. Je sais pas où je les ai foutus d'ailleurs. Ici. Et il me fallait deux tiers 4, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein.
Juste 2, ce sera bon. Ok. Donc où est-ce qu'on est? C'est pas là que je dois mettre mes trucs à... Mes circuits imprimés, voilà, ils sont là. Bien. On va directement aller balancer ça, du coup. Mais j'aurais peut-être bien voulu avoir le chiffre avant de les balancer. Je suis con, bordel de merde. Alors, en termes d'animaux, on en a combien par... On est à 3, non, on est à combien? On est à 209 388 grammes secondes. 209 000, bon. J'espère quand même qu'ils vont pas garder les grammes ad vitam, parce que ça va être vite illisible. Je sais toujours pas pourquoi ils sont pas passés en kilogrammes, mais bon, bref. Donc ça, c'est bien. Alors, on envoie la fusée, bien évidemment. Oh, il y a des poissons de dingue! Oh, trop mignon. Oh, on envoie des aquariums sur le... de l'atmosphère, trop bien. Oh. D'ailleurs, ça donne quoi les poissons à ce niveau-là? C'est quand même joli vu d'en bas. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y en a pas un qu'on voit mieux avec les lampes, peut-être? Je suis pas sûr, hein. De nuit, peut-être. En tout cas, ils sont fort beaux. Ils sont fort beaux, ils sont fort beaux. Oh merde, juste un truc. Mais les papillons dorés. On a trouvé chez les gardiens, là. Heureusement, on en a deux, donc on pourra garder une... On pourra en garder un en emploi, on va dire. Parce que si jamais j'ai plus moyen d'en avoir autrement, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah oui, vérifie ça. Mais ils ont gardé 100 grammes, bordel de merde. Mais ils sont complètement fous, ils sont starbés, c'est pas possible. Donc on était à 209 000. Là, on est à combien, là? On a 3 chiffres. Donc on est à 7 328 589 grammes secondes. C'est plutôt pas mal, hein, en termes de secondes. Mais bon, pourquoi ils sont complètement starbés? Pourquoi ils ont fait des... Je comprends pas. Ils ont tout fait en dehors du gramme, genre les insectes aussi c'est en gramme, les végétaux aussi, ce que je comprends pas. Alors que ici on est en kilotonnes, on est en ppm, on est en mk, on est en pa, on est en tti, enfin je sais pas, ils auraient pu faire pareil, non? Qu'est-ce qui les avait empêchés de faire ça en vrai? Je sais pas. J'avoue que je suis un petit peu circonspect. On va juste mettre ceci là, voilà, parfait. Donc on va se quitter ici, malgré tout. J'espère que l'épisode vous a plu. On a quand même réalisé pas mal de choses, je trouve, dans cet épisode. Dans le prochain, le but sera, en un épisode, de remplir tout ça en termes de papillons. Donc ce que je vais faire, contrairement aux poissons et aux batraciens, je vais me renseigner, parce que là, il y en a quand même 19, c'est quand même pas rien. Je vais me renseigner sur ce qu'il faut pour accélérer un petit peu le processus. Notamment voir s'il n'y aurait pas moyen d'aller choper d'autres larves dorées. Donc ça serait déjà une chose. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, il faudra qu'on trouve les autres trucs gardiens. Bon, prochain épisode, on s'occupe vraiment de remplir ça. Puis je m'occuperai du gardien, enfin de trouver les gardiens. Ça par contre je me spoil pas, hein, ce sera en full découverte. Bon par contre je cutterai je pense, parce que c'est peut-être... Il est peut-être possible que je passe plus d'une heure dans la pampa. Et ensuite terminer ça ici et voir si on a une fin avec les gardiens, voir si... De toute façon je crois qu'on doit avoir une fin avec les gardiens parce que... Il me semble... Il parlait de plateforme d'extraction et c'est ce qu'on a une fois qu'on a 5 TTI. Donc si on utilise les 10 clés de gardien en voulant s'échapper avec la plateforme d'extraction, on a sûrement une fin, je suppose. Cela dit, on vient aussi de Sentinel Corp. Donc je pense que ce serait une deuxième fin. Et est-ce qu'on aurait que deux fins? J'ai juste envie de regarder juste un truc vite fait. Parce que Riley nous a beaucoup parlé, mais est-ce qu'il nous a dit qu'il venait de quelque part?
Parce que s'il a eu autant d'informations... Ouais, bon, ça c'était quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Ah, c'est quelqu'un de nos parents. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il fasse partie de notre. Ouais, donc il y aura peut-être deux fins, je pense. Hein. Par contre, comment est-ce que je pourrais voir les deux fins? Parce que si jamais je sauvegarde, je peux en voir qu'une. J'ai le droit qu'à un seul accès de sauvegarde? Bah oui. Ah, chaïs. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je recommence de zéro? Je pense que je vais prendre. Enfin. Je pense que je vais prendre la fin avec les gardiens. Hein. Je pense. Bon, après, ce que je peux faire aussi, peut-être, c'est sauvegarder juste avant d'utiliser la truc d'extraction avec les gardiens, voir la fin, et puis proposer les deux autres fins Les deux autres fins. Non, les deux fins, pardon. Ou les deux autres fins? Il y en a peut-être une troisième. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il doit y en avoir une avec Sentinel Corp. Ils doivent sûrement nous demander de rentrer. Celle avec les gardiens qui a été prouvée, et peut-être que Riley, hein, peut-être, je vois que ça. Peut-être que Riley nous proposerait quelque chose, ou peut-être Xiaodan, pas Xiaodan, comment il s'appelle, Iklas. Parce que lui, on l'a pas encore vu. Donc vu que lui, on l'a pas encore vu, peut-être qu'il s'est échappé, donc peut-être qu'il a réussi à fonder un truc. Et qu'il serait peut-être pas contre de nous recueillir, j'en sais rien en vrai, hein, je spécule. Donc, ouais. Je sais pas trop. Est-ce que je fais un épisode avec toutes les fins, s'il y en a plusieurs? Bon, il doit sûrement y en avoir plusieurs. Au moins deux, je pense. Ou alors, est-ce que je fais avec une seule fin et puis basta. Après, peut-être qu'il y a, un succès, peut-être... juste pour finir le jeu, alors, il y a peut-être un succès par fin. Je vérifie, parce que je sais bien qu'il y a des succès cachés, juste je vérifie. Donc là, actuellement, il me reste un seul succès que je vois, que je peux compléter, c'est-à-dire atteindre la terraformation complète, donc avoir la biosphère globalement. Ça, c'est le seul que je vois. Je serai à 52 sur 55 succès. Et donc, il y a 3 succès cachés restants. J'imagine qu'il y en a au minimum un qui est pour la fin. Pour le fait de finir le jeu, je veux dire. Il y en a peut-être un qui est pour trouver les 10 trucs gardiens, ou alors peut-être un pour... Oh, je sais pas. Peut-être que c'est peut-être pour les fins différentes qu'il y a, donc ça vous allez peut-être dire qu'il y en aurait 3 différentes. Et... Je sais pas. Bon, mais dites-moi en commentaire si vous voulez voir les 3 fins ou si vous voulez en voir qu'une. Moi, pour les succès, je sais que fatalement, je devrais sauvegarder avant. Je pense pas quand même que je vais tout recommencer de zéro. Hein. Quoique... En vrai, je recommencerai bien de zéro, mais en multi, pour voir un petit peu comment on fait, pour bien tout optimiser rapidement, etc. Mais là, dans les médias, pas possible. Il va falloir que je lance d'autres let's play quand même, au bout d'un moment. Bon, je vais vous quitter ici, parce que là, je suis en train de déblatérer pour rien. Je suis désolé pour ça. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, en plus de me faire extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à commenter, je prends grand plaisir à vous lire et à vous répondre, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas la première vidéo de moi que vous voyez et que vous appréciez mon contenu. Voilà, merci à tous, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien.